Bonjour tout le monde, je suis Aluis et aujourd'hui nous nous retrouvons pour Metroid Confrontation. J'espère que vous allez bien. Si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo découverte sur ce fan game de Metroid qui était, et là j'en suis vraiment désolé, très lente à cause de Fraps, mais j'ai trouvé une alternative. Maintenant ça ne devrait plus l'être. Et pourquoi suis-je sur ce jeu aujourd'hui? Bah déjà, premièrement, je vais vous montrer les modes. J'avais dit que ça ne servait à rien dans le dernier épisode, la première fois que j'ai fait ça. Sauf qu'en fait, ça permet de revenir un petit peu dans le temps, de changer quelques sprites et autre chose, notamment le 8-bit Game Boy qui, j'en suis sûr, fera remonter de souvenirs à n'importe quel fan et ancien joueur de Metroid. Gravity. C'est juste le sprite de Samus avec le costume de gravité, ça ne sert à rien. Pareil pour le costume Varia. Zero, c'est juste Samus sans l'armure. Je vais juste garder le défaut. Et une petite partie ensemble pour un let's play rapide en normal. Parce que faut pas exagérer, je suis pas encore au niveau pour faire le difficile. Je vous laisse... je vous laisse le temps de faire pause pour regarder vite fait la petite histoire. Et on est parti. Alors, pour l'instant j'ai 99 de vie, j'ai pas de missile, j'ai juste tir diagonal, saut normal. Et c'est tout. Donc premier upgrade à chercher. Qui se trouve ici. Bon, là y a rien à faire. Et comme d'habitude, je mettrai le lien pour du site pour le jeu dans la description pour que vous aussi vous essayiez à ce jeu sympathique, très facile. Parce que oui, il est extrêmement simple. Bonne morphique, déjà acquis. Et la musique surtout est géniale. Une réserve de missiles que je ne peux pas prendre. Alors seul petit bémol, je ne m'en rends compte maintenant, il n'y a pas de repère pour vous indiquer que vous avez loupé une upgrade. C'est un peu dommage, mais bon, on peut les pardonner pour ce petit oubli. Le jeu reste néanmoins très sympathique à jouer. Je vous laisse apprécier la musique qui est vraiment géniale. Je ne le dirai jamais assez, mais la musique des fan games de Metroid, que ce soit sur Metroid, Another Metroid 2, Retour Samus, et sur celui-là, les musiques sont très belles. Aïe. Et la première réserve de missiles. Vous voyez bien mon missile qui est en jaune quand je le mets. Donc pour l'instant 5 missiles. Voilà, pour l'instant c'est la partie, on va dire, simple du jeu. Après, on va dire, après, ce sera un peu plus corsé et plus technique. Donc, il faudra du doigté. Ah bah, quand je disais que ça allait être technique. Petite réserve de missiles, très sympathique. On en fera toujours un peu plus pour les boss.
Et là, alors là, je... À ce niveau-là. Là, vous voyez, je ne peux pas passer. En fait, j'ai loupé une upgrade, on va dire volontairement. Parce que on peut faire les wall jump. Voilà. Alors, pour ceux qui n'y arrivent pas, entraînez-vous au stick. Là, je suis sur un stick Xbox. Quand même, je me rate quand même un petit peu. Voilà. C'est surtout à ce moment-là qu'il va falloir être juste. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je pouvais passer. Voilà. Je peux pas passer, très bien. Vous allez l'entendre très souvent, ce bruit. Voilà. Là, je fais le chemin, on va dire, inverse. Je suis pas en train de casser le jeu. Je suis juste en train de faire n'importe quoi avec. Non. Donc, je monte en premier. Regarde le plan, vite fait. Ouais, faut que je monte. Voilà, il me reste plus qu'à remonter et je sens qu'on va bientôt s'attaquer. Non, en fait, je viens de créer un raccourci. À chaque fois, je me demande qu'est-ce que j'ai fait. Parce que j'ai toujours aucun souvenir de ce jeu. À chaque fois que j'y joue, c'est comme si je fais genre je connais, mais en fait, je m'en souviens jamais. C'est vraiment étrange. Putain, puis alors les sauts, là. Putain, ces sauts. Les bombes morphiques. Bombes morphiques, oui. Je confonds. Ça aurait pu aller aussi vite avec un tir de laser. Aïe, aïe, aïe. Bon, je peux retourner ici. Prenant de la vie, bien sûr. Et en reprenant le chemin tout à fait normal. Voilà. Le chemin ne pouvant se faire que si j'avais les bombes. Donc là, j'ai une question. Est-ce que c'était volontaire que l'on aille en haut en wall jump? Je ne sais pas. Là par contre ça va être plus dur parce que c'est le premier boss et que vous allez voir beaucoup de wall jump à partir de là et beaucoup de manettes qui va faire n'importe quoi. Raté. Bon, ok. Non, je peux pas. Et... Oh, je sens que ça va être chiant. Voilà. Ah, j'ai pas serré de l'autre côté. Voilà, impec. Donc juste avant, je vais quand même me faire le boss. S'il y en a un, et je vais sauvegarder. Parce que faut pas exagérer non plus. Je viens de me péter le pouce à faire ces wall jump. Ah, et là, je crois qu'on y est bientôt. Moi j'espère.
pour le premier boss, je ne sais plus le nom de ce boss. Dommage. Attention, ça va aller. Il arrive, il est tout prêt. Il est là, la musique s'arrête. Mais qui est-il? Il s'agit de... Crocomir. Crocomir, je tiens à dire que je ne connaissais pas ce boss avant ce jeu. Donc là, Crocomir a un timing que je qualifierais. Bah voilà, je me suis raté déjà. J'aurais dû changer les contrôles quand même parce que missile avec gâchette gauche, c'est pas easy pour moi. Alors pour battre Crocomir, il n'y a pas 36 solutions, c'est juste soit vous le tuez, vous voyez la barre de vie, soit vous le poussez en lui lançant des missiles. Et je voulais apprécier quand même la musique de ce boss qui est... Ah, je me suis raté. Heureusement qu'il n'a pas trop avancé. Voilà, reste où tu es. Bon, je pourrais pas le faire en un seul try. Enfin, j'aurais pas fait un perfect missile. Un peu dommage. À partir d'un moment, par contre, ces patterns vont changer, il me semble. Voilà, pour l'instant, ça va. Ça gère assez bien. Ah, et voilà. À partir de ce moment-là, j'ai plus que 3 missiles. Il va falloir que je les use comme il faut. Allez, le pont est juste derrière lui. Il va tomber. Allez. Tombe saleté, tombe saleté, tombe saleté. Ah là là, raté. Et c'est raté. Il faut que je reprenne des missiles. Je n'aurais pas pu faire un seul try. Ah mais je peux le tuer dans la bouche. Sérieusement, moi je... Non, je me suis fait avoir. Oh, ah, c'est dommage. Vraiment dommage ce qui vient d'arriver. Du coup, bah, ce qui va se passer par contre, c'est que je vais changer mes commandes. Donc, petite ellipse, le temps de changer mes commandes de missiles. A tout de suite. Voilà, c'était rapide, donc là, ça devrait normalement aller. Je ne ferai pas avoir cette fois. Allez, c'est parti. D'habitude, c'est un boss que je réussis assez facilement, mais là, bon. C'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Là, hop. Bonne distance, missile. Et ça gère tranquille. Aïe. Faut juste calculer le temps qu'il met. Oula. Je suis sorti de l'écran, c'était pas bon ça. Ah, ou juste, celui-là a été très très juste. Voilà, faut avoir le bon timing. Une fois qu'on l'a, le boss est pas si difficile que ça. Là. Je gaspille des missiles inutilement, j'essaie quand même d'en avoir. Voilà, parfait. Oula, et là je me fais avoir à chaque fois à cause de ça. Là ça gère assez bien, je m'en sors mieux que tout à l'heure. Allez, encore un missile, ça devrait être bon. Ah, ouh, il était juste aussi celui-là. Ah mince, j'avais oublié que ça aussi c'était chiant. C'est juste, juste. Voilà. Allez. Et voilà, Crocomir meurt dans les flammes. Je me baigne avec lui parce que je suis sympa, je partage ses douleurs. Je me baigne avec lui. Voilà, Crocomir est mort. Et je continue avec mes wall jump. Et je gagne les bottes de saut. Pour l'instant, j'ai complètement pété le jeu. Je n'ai jamais eu besoin de la pointe de fer. Par contre, ce passage va être un petit peu chiant. Parce qu'il se peut que je me rate honteusement.
Mais vraiment honteusement. Voilà, je me rate honteusement, je vous l'avais dit. C'était pas le plan, ça. Voilà, et il y a tous ces ennemis coquillages qui arrivent, et je sais pas aller sur une plateforme. C'est vraiment honteux ce que je fais. C'est une honte. Voilà, je devrais même pas jouer à ce jeu tellement je suis trop nul. Juste pour cette phase de plateforme. Regardez ça, je suis une bite. Voilà, pas d'autre mot. Raté. C'est la fin. Merci mon dieu. Putain, c'est pas la fin. Ah, dégage. Laisse-moi sauvegarder. Merci. Je souffle un petit peu. On est reparti. Donc là où je dois aller tout au bout. Bah tiens, je vais aller tout en haut parce que il y a quelque chose. Exactement. Un E-Tank qui me donne 100 points de vie. Ça, c'est génial. Et c'est très gentil. On va me prendre plus de dommages. Je sais plus ce que c'est ça. Le rayon de charge. Et ça c'est très intéressant. Blop. Voilà, une bombe en bonne morphique, ça tue ces petites bêtes. Ne me demandez pas pourquoi. Ah là, je sais qu'il y a quelque chose, ça se voit. Oh là, c'est noir. Des super missiles. Sérieuse. Il me faut des super missiles. Alors ça, ce serait génial si je pouvais en trouver. Droite, gauche, au milieu, à gauche. Non, là il faut que je trouve la pointe de fer, c'est obligé par contre. C'est complètement obligé. J'ai zappé un endroit. Oh, ouais, j'ai zappé tellement d'endroits en fait. Donc du coup, c'était pas là que je devais aller. Je casse le jeu tout seul. Faut que j'en monte un peu plus haut. Oh, dommage, ça va être beau. Que je remonte jusqu'à une entrée à droite. Je peux me permettre de prendre des dégâts, j'ai 100 points de vie en plus. Se voit pas du tout que là tu peux récupérer une upgrade obligatoire dans le jeu, mais je pense qu'il n'est pas obligatoire cette upgrade sauf à certains moments. Voilà, là comme vous voyez, ça m'aurait pris tellement de temps de faire tout ce chemin sans le saut spatial, enfin sans les bottes de saut. Voilà, j'ai la pointe de fer. C'est trop cool. Sauf que ça va me servir à rien pour le moment. Juste toi, tu meurs parce que j'ai envie. Voilà. Ce gain de temps incroyable. Par contre.
me sert juste à ça. Quand je pense que j'aurais pu utiliser la pointe de fer tout de suite. Mais c'est ça le backtracking aussi. Donc je vais aller à... Non, je vais aller d'abord... à droite. Voilà. Missile récupéré. Et là, je me souviendrai toujours de cette phase de plateforme horrible. Parce qu'à un certain endroit, ça, la plateforme, voilà, se barre en mille morceaux. Et Dieu sait que c'est horrible quand ça arrive, ce genre de choses. Mais juste là je sais voilà, elle était juste là. Une upgrade prend 4 carrés de hitbox, intéressant à savoir. Ah là je crois que je suis allé dans le mauvais sens. Bon, et ben mesdames et messieurs, je crois que le temps est venu pour moi de vous présenter un ennemi incontournable de ce jeu. Vous l'avez sans doute reconnu dans la vidéo de test. Tiens d'ailleurs, hop, je découvre ça. Vous le savez sans doute reconnu dans la vidéo de test grâce à sa musique géniale, sa musique pleine d'énergie et de vivacité. Et bien le voici devant vous, dès que j'aurai descendu tout ce merdier en vitesse grand V. Je vais juste m'équiper. Voilà, changer là mon armement plus tard. Récupérer mes points de vie. Et je prends aussi mes missiles si j'en ai pas assez. Aïe. Bon bah ce sera mes points de vie, finalement. Pour moi ma vie. Pour moi ma vie. Mesdames et messieurs, préparez vos oreilles. Voici. Réglez. Oula. Ok, donc ça se dégoupille très mal pour le moment. Aïe. Boum. Putain, ça met juste le double de dommage d'un simple missile normal. Je vais me taire pour me rester concentré quand même. Et vous laisser la musique.
Raté. Dommage. Vraiment dommage. J'y étais presque. Bah, ce que je vais. Allez, je vais m'attaquer à un autre boss. Plutôt. Craig sera un. Ah, mais non, 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 j'ai pas envie. J'ai pas envie, je veux battre Craig. Pas Craig Radley. Oui, je confonds les deux, ça y est. Voilà, les missiles sont récupérés. Oula, il m'a fait un peu mal, ils me font mal. Heureusement que je pourrais récupérer de la vie un peu plus loin. On récupère les super missiles. Voilà. Triple dommage. Moi je les sens, je les vois moyens les dommages, les triples dommages que je mets. Allez, je m'en revanche. Je suis prêt. Ah mais évidemment, tu m'étonnes. Je rate la plupart de mes missiles. Bon là, ça a l'air de plutôt mieux se passer que la dernière fois. Et il me redonne des super missiles. Donc ça va aller encore mieux. Vas-y, dégage. Bunk, bunk. Là ça va un peu plus rapidement d'un seul coup. Eh ben il me redonne encore des super missiles. Et gentil. Enfin, je sens la fin dans pas mon temps. Voilà. Je vais utiliser le super missile que en vraiment en cas de recours ultime. Attention. Oula. J'avais oublié ça. Je l'ai passé, je l'ai pas. Non, je l'ai pas passé. Allez, allez. Ah, raté. Allez, le rayon chargé dans ce cas. Ah, il est pas passé, rien n'est passé, rien ne se passe comme prévu. Ah, rien ne se passe comme prévu, tiens! Bouffe! Oh oui! Allez, le wall jumper fini! Ah oui, il est beau! Oh, il était magnifique! Ah bah oui, ça aussi, c'est un peu cool! Je ne peux pas aspirer les gains avec le rayon chargé. C'est con parce que sur. D'accord. Sur AM2R, il avait bien fait ça. Bah, tant pis. Ce n'est pas grave. Rayon à diffusion. Ok, allez, je me tape tout le chemin en sens inverse. Ah bah ouais, c'est sûr que ça va déjà mieux. Thank you.
Ah non, je passais. Ah, c'est pas vrai ça. Voilà. Saloperie. Oh mon point de sauvegarde, je t'adore. Ouais, donc je pense que, bah en fait, vu que j'ai pas fait le jeu dans le bon sens, normalement, et bah Kraid va être une affaire, pas une affaire simple à régler, mais plutôt une affaire facilement réglable, voilà. Voilà, ça va plus vite que de passer par au-dessus. Donc là, on va à gauche. Quoique, je vais remonter. Parce que... Punaise. Putain, c'est la mort, c'est bête. Voilà. Voilà. Allez, notre réserve de missiles. Génial ça. Allez, on est go. Et on tombe. Encore et encore et encore, et je vais aller à gauche parce que point de sauvegarde. Eh ouais, et je sens qu'on est bientôt parti. What? Ouais. Ah d'accord. Une réserve de missiles. J'étais en train de bafouiller, c'était génial. Même si Kraid est une autre paire de manches, ce n'est pas non plus un boss que je qualifierais facilement finissable. Oh, j'ai déverrouillé une médaille. Ah, super. Il y a plein de médailles à déverrouiller d'ailleurs. Hop, on descend, descend. Et je crois que c'est parti. Ok, Will. Donc là, ce qu'il faut faire juste, c'est se poster là. Ouh. Oh, ce que je lui ai mis. Donc là, hop. Mes muses. Je récupère ma vie quand même. Je sais pas si vous avez vu, mais un super missile et je lui ai fait perdre quasiment tous ses points de vie, quoi. Enfin, un bon tir. Ah ouais. Et pas, c'est vraiment un bon gros tir. Oui. Oui. Voilà, redonne-moi ça. Allez. Voilà. Allez, encore un coup et ça devrait être bon. Je vais faire avec mes trois super missiles. Voilà, à plus de Kraid. Donc le truc en fait, le bon chemin ce serait faire le premier boss là que je ne me souviens jamais. Ensuite c'est
Ridley, et ensuite on fait Cred. Je pense que ce serait le meilleur routing possible. Ouais. Pour moi, ça, je crois que c'est ça. D'ailleurs, je pense très fort que ça peut être ça. Ouh, alors attention à ce que j'ai fait. C'est la première fois que je le fais. Enfin, c'est de m'arrêter pile au bon moment. Voilà. Ok, si je m'arrête bien. Voilà. Voilà. Génial. Bon, bah, je crois que le jeu est terminé. Maintenant, il me reste plus qu'à remonter tout en haut au niveau du vaisseau. Ouais. Ah zut, je me suis fait toucher. Tant pis. Je vais quand même recommencer. Stop. Voilà, je vais laisser passer. Bon, pas si haut que ça, mais presque. Voilà, donc là je sais plus où je suis. Il faudrait que... Alors soit je passe à droite ou à gauche. Je vais passer à gauche. Étrange choix, n'est-il pas? Tout simplement parce que j'ai une petite idée pour finir le jeu assez rapidement grâce à l'accélérateur. Là, je vais relativement vite. Attention. Ah, je voulais essayer de faire un wall jump en gardant mon accélération. Et alors maintenant, je vous demande pourquoi Samus allait tuer trois boss. Question qui semble assez bizarre pour certains d'entre vous. Pour accéder à la boss finale, sans doute. Vous allez déchanter tout de suite. Pour cet objet, un objet spécial, un objet unique, mystérieux, qui va être utilisé dans un peut-être un futur Metroid. Une réserve de carburant. Vous avez fait tout ça pour une réserve de carburant. Ah, je vois la déception s'écrire sur ton visage, toi. Oui, toi qui t'attendais à quelque chose d'un peu plus glorieux. C'est comme ça. Et dernière action du jeu. Voilà. Le jeu est terminé. Alors, et vous avez le total... Quoi? 26 minutes 15? Eh ben, dis donc, je me suis battu. J'ai battu mon propre record. 26 minutes, eh ben, c'est peu. Incroyable. Ouais, non, c'est plutôt un bon score ce que j'ai fait, je trouve. Je vais vous demander un truc. Dès que j'ai re-Twitter, je vous demanderai de me mettre, enfin de m'envoyer vos statistiques sur ce jeu. Qui sait, vous avez peut-être été plus rapide que moi, et je prendrai ça comme un challenge à accomplir. Celui qui fait un meilleur temps sur ce jeu en 100% ou en any pourcent, le pourcent n'importe quel. Bref, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci d'avoir regardé ce let's play rapide qui, ma foi, n'a pas été sans doute pour vous très très intéressant, certes, mais vous avez pu voir le jeu, vous avez peut-être pu faire votre routine pour un speedrun futur.
Quant à moi, je vous dis merci d'avoir regardé. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit commentaire si vous avez une technique à vous, si vous avez aussi votre Metroid préféré et le temps que vous avez mis sur un Metroid, quel qu'il soit. De liker la vidéo, bien sûr, de jouer, mais tout simplement parce que c'est important. Bon jeu, et à la prochaine !